En janvier 2009, sur le tournage de Harry Potter et les Reliques de la Mort, la doublure de Daniel Radcliffe, un jeune cascadeur de 25 ans, va réaliser une cascade aérienne. Lors de la répétition, on va lui enfiler un harnais qui sera relié à un câble. Le cascadeur va devoir se faire tirer violemment pour venir s'écraser sur une surface. Bon, jusque-là, pas de soucis, même si c'est un jeune cascadeur, il a de l'expérience et il est capable de maîtriser la situation. Mais alors qu'il est en plein air, il va se faire tirer et va venir percuter un mur du studio. Le coordinateur de cascade se précipite vers le jeune cascadeur qui est au sol, lui tend la main et lui demande. De serrer les doigts. Le jeune homme attrape la main de son superviseur, mais impossible pour lui de serrer les doigts. David Holmes, le jeune cascadeur, est transféré à l'hôpital et le verdict tombe. Liaison de la moelle épinière, il ne pourra plus jamais marcher de sa vie. Dans cette vidéo, on va découvrir des accidents graves de tournage. Des accidents qui ont considérablement changé la vie. Des victimes. Et parfois même qui les ont tués. Alors, on avait déjà fait une vidéo sur le sujet, dans laquelle les accidents ne se terminaient pas trop mal, et dans la vidéo, je vous avais demandé si vous étiez ok pour passer le cap supérieur. En grande majorité, vous étiez pour, et nous y voilà. Alors, je préfère vous prévenir, certains accidents sont effroyables, voire même choquants. Et avant de passer aux prochains accidents, petite touche de positivité à propos de l'histoire de David Holmes. Après son accident, il a été accompagné et soutenu par l'équipe, notamment par Daniel Radcliffe. D'ailleurs, tous les deux sont devenus proches. Et c'est important de le préciser parce que vous allez voir que ça ne se passe pas toujours aussi bien entre guillemets. Les cascades sont bien évidemment les premières causes des accidents de tournage mais il n'y a pas qu'à travers les cascades qu'un drame peut arriver. Certaines blessures moins spectaculaires peuvent être fatales. Sur le tournage de Seul au Monde, Tom Hanks s'était blessé la jambe. Une blessure qui paraissait anodine mais qui s'est infectée jusqu'à ce qu'il soit emmené à l'hôpital et le tournage mis en pause pendant 3 semaines. Les médecins ont été clairs avec l'acteur et la production, quelques jours de plus et Tom Hanks n'aurait pas survécu à l'infection. Il a eu beaucoup de chance et ça n'a pas toujours été le cas pour tout le monde. Sur le tournage du film 3 sur l'île de Malte, un figurant qui avait une petite scène de cascade à interpréter s'est cassé la cheville en sautant. Ça arrive. Il est emmené à l'hôpital, il ressort avec des béquilles, mais quelques jours plus tard, ça ne va pas du tout. Il retourne à l'hôpital et il n'en ressortira... Jamais. Georges Camilleri est décédé d'une crise cardiaque due à un caillot de sang qui s'était formé suite à sa blessure à la cheville. Ouais, je sais, là c'est vraiment pas de chance. Mais comme vous allez le voir par la suite, les accidents de tournage peuvent être provoqués par tout et n'importe quoi. Encore aujourd'hui, les cascadeurs et les cascadeuses font un métier dangereux. C'est mieux sécurisé, mais les gens qui font ce métier continuent de se mettre en danger pour nous offrir des images spectaculaires. Mais parfois, même trop souvent, ce spectacle a un prix. Sur le tournage du deuxième opus de Very Bad Trip, près de Bangkok, en Thaïlande, un grand cascadeur australien du nom de Scott McLean a pour mission de réaliser une cascade qu'il répète depuis des mois. C'est lui qui sera la doublure de l'acteur Ed Hens, pendant qu'il essaie de remonter un singe, la tête par dehors la fenêtre d'une voiture qui roule à toute vitesse, slalom sur la route et finit par frôler un camion. Bien que tout ait été coordonné, il suffit d'un mauvais timing pour que ça vire au drame. Et là, le conducteur de la voiture, celui du camion et Scott, n'étaient visiblement pas synchro. Ici, c'est Scott. Passait le camion et le conducteur de cette voiture arrive vite. Résultat Scott se prend le camion de plein fouet. Et ce que vous voyez là c'est le vrai plan de Scott juste avant le drame qui a donc été utilisé dans le film. Après l'impact l'un des meilleurs cascadeurs d'Australie est transféré immédiatement dans un hôpital de Bangkok. Il entre dans un coma de six semaines et l'accident lui aura causé une lésion cérébrale. Il sera transféré en Australie où il suivra une rééducation intensive pendant huit mois. Scott ne pourra plus réaliser toutes ses cascades mais il continue cependant de coordonner certaines cascades de films. Une destinée moins tragique que celle de Harry O'Connor, un cascadeur passionné de parachutisme et qui sera la doublure de Vin Diesel dans le film Triple X. Et la scène qu'il s'apprête à réaliser est plutôt rude. Harry O'Connor doit se détacher de son parachute pour descendre une tyrolienne et atterrir sur un bateau en mouvement qui passe sous un pont. Et sa cascade, il va la réussir. Plusieurs fois même. Mais Harry, Perfectionniste va insister pour la tourner une toute dernière fois. La doublure de Vin Diesel est dans les airs. Il détache son parachute pour descendre la tyrolienne et rejoindre le bateau, mais cette fois, ça ne passe pas. La tête de Harry percute le pont, sa nuque se brise et le cascadeur de 44 ans meurt sur le coup. Et les images que vous voyez là sont celles qui précèdent l'accident et elles ont été utilisées dans le film, en tant qu'hommage d'après le réalisateur. Le souci, c'est que le succès de certaines cascades ne dépend pas uniquement de la coordination des cascadeurs et des cascadeuses, mais aussi de celle de toute l'équipe du film. Sur le tournage de Resident Evil chapitre final, c'est une cascade en moto qui va mal tourner. Olivia Jackson, 34 ans, est une cascadeuse sud-africaine spécialisée dans les acrobaties en moto. Très grosse expérience en on a pu la voir dans certains films comme les Gardiens de la Galaxie, dans Mad Max Fury Road ou encore dans Avengers. On peut la voir juste ici et là sur ce film, elle sera la doublure de Mila Jovovich. En arrivant sur le tournage, on lui annonce que sa scène de combat est repoussée et que c'est une cascade de moto qu'elle va devoir réaliser. Une cascade pas si périlleuse, rien de bien fou au vu de son expérience en tout cas. Elle doit donc rouler en moto à 60 km/h sans protection pour plus de réalisme. Un machiniste va lever la grue et laisser passer la cascadeuse en moto. Voilà. Fin de la scène, fin de la cascade. Comme vous avez pu le voir, rien de bien fou, donc on y va. Olivia monte sur sa moto, sans protection, elle accélère, mais la grue qui était censée la laisser passer... Ne se lève pas. Olivia Jackson va percuter la grue métallique de la caméra que l'équipe n'avait pas levée assez tôt. Pour Olivia, c'est une hémorragie et un œdème cérébral, rupture de plusieurs artères cervicales, elle est défigurée, plusieurs côtes cassées, un bras paralysé, une omoplate brisée, ça a même atteint sa moelle épinière. Bon, rien ne peut être pire, jusqu'au jour où les médecins lui annoncent qu'il n'y a pas de solution, Olivia va devoir apprendre à vivre sans son bras gauche. Olivia se fait amputer et ne pourra donc plus. Jamais exercé son métier. Évidemment, c'est une histoire qui est partie en procès, mais on en a déjà un petit peu parlé sur cette chaîne. C'est pas si simple d'obtenir justice face au studio, et surtout dans le domaine de la cascade. Il y a beaucoup de choses à prouver, c'est pas facile. Et sur ce film, il y avait quand même une aura étrange. Puisque sur ce même tournage, un technicien qui venait de rejoindre le film depuis environ un mois se trouvait sous une structure sur laquelle il y avait un Hummer garé. Un Hummer, c'est un énorme véhicule. La structure a cédé, et Ricardo, le technicien, s'est fait écraser par ce véhicule de plusieurs tonnes. Il est à l'hôpital, mais lui succombera à ses blessures quelques heures après l'accident. Les cascadeurs et les cascadeuses sont préparés aux accidents. Ils savent comment réagir, comment limiter au mieux les drames, mais même s'ils sont ultra vigilants, ça reste des cascades donc ultra dangereux. Et ce que je trouve Terrible, c'est lorsqu'un accident de tournage touche d'autres membres de l'équipe, qui eux n'ont été aucunement préparés. Et des accidents de ce genre ont eu lieu en France, dont un qui s'est déroulé en août 1999 sur le tournage de Taxi 2. Peut-être que vous vous souvenez de cette séquence dans laquelle le taxi passe par-dessus des chars d'assaut. Lors du premier essai de cette cascade, ça ne va pas, le taxi ne va pas assez vite. Et le réalisateur veut que le cascadeur recommence, qu'il aille plus vite pour un décollage plus spectaculaire. Ok, on y va, mais cette fois, la voiture s'envole et atterrit beaucoup trop loin. Elle vient s'écraser sur deux membres de l'équipe, un caméraman et un accessoiriste. L'accessoiriste sera grièvement blessé et quant à Alain, le caméraman, il succombera. À ses blessures on l'oublie mais c'est vrai que parmi les membres de l'équipe les cadreurs peuvent souvent être mis au premier rang du spectacle et donc proches du danger notamment quand on a des cascades avec des véhicules même si ce prochain accident est très différent de ce qu'on a pu voir jusqu'ici en 2014 sur le premier jour de tournage d'un film américain en géorgie on y retrouve une équipe de films qui s'installe sur un chemin de fer qui avait été réservé par la production le temps du tournage pour vous raconter un petit peu la scène c'est censé être un rêve c'est pour ça qu'on y voit un lit d'hôpital qui se trouve au milieu d'un chemin de fer et sur ce lit il y a un acteur. Les membres de l'équipe s'installent, mettent en place la séquence et qu'est-ce qui arrive au loin Un train de marchandises. L'équipe a à peine le temps de voir le train qui arrive et qui se rapproche à plus de 90 km heure. Ils se précipitent de sortir de la voie ferrée pour d'abord sauver leur vie mais ils n'ont pas le temps de retirer le lit des rails. Le lit d'hôpital se fait percuter. des débris de métal se font projeter et vont blesser plusieurs membres de l'équipe, dont une assistante caméra, Sarah Jones, qui pour elle, l'impact aura été mortel. Quant à l'acteur qui se trouvait sur le lit, il a pu s'en sortir au dernier moment. Le film n'a jamais pu se terminer. Le réalisateur qui était aussi le producteur du film, donc qui avait une responsabilité, a pris 10 ans de prison pour homicide involontaire. Il a fait deux ans et il n'a bien sûr plus le droit d'exercer un métier de direction. Comme quoi, que ce soit dans la préparation d'une cascade ou même plus généralement celle d'un film, il faut absolument que l'équipe soit rigoureuse. Le danger peut provenir de n'importe où sur un plateau tournage. Il y a tellement de gens, d'activités, de choses qui se construisent et se déconstruisent rapidement. Et il y a d'ailleurs beaucoup d'accidents parmi les constructeurs de décors. Sur la construction du décor du film Silence de Martin Scorsese, qui se tournait en Taïwan, un ouvrier a trouvé la mort pendant qu'il était en train de solidifier un décor. Le plafond, c'est tout simplement effondré sur lui. Le drame peut provenir du décor mais aussi des effets spéciaux dont un type d'effet spécial en particulier qui a provoqué plusieurs accidents. Il y en a un que vous connaissez très bien et il a tout à fait sa place dans cette vidéo. Brandon Lee, le fils de Bruce Lee, se retrouve sur le tournage du film The Crow et à ce moment-là il a 28 ans. La scène est plutôt simple, elle a déjà été répétée plusieurs fois, non pas pour une cascade cette fois mais plus pour le jeu d'acteur. Un personnage va devoir tirer une balle sur le personnage qu'incarne Brandon Lee. Quand une arme doit faire feu dans un film, elles sont chargées à blanc. En gros elles sont chargé d'une cartouche remplie de poudre. Une cartouche qui n'a pas de balle au bout, pas de projectile quoi. Lors du tir, la poudre s'enflamme, provoque un bruit, de la lumière, de la fumée, et puis c'est bon, on y croit. Ça, c'est pour l'effet du tir. Mais quand on voit une vraie munition à l'image, on utilise des balles factices, qui elles sont de vraies cartouches avec une balle au bout, mais sans poudre. Donc vraiment sans danger, c'est un accessoire. Sauf que nous sommes d'accord, une cartouche factice plus une cartouche à blanc. Bah ça nous donne une vraie balle quoi. Et il se trouve que dans le canon du pistolet qui braquait Brandon Lee se trouvait une balle factice qui était restée bloquée. Une balle factice qui avait été utilisée pour une autre séquence. La scène entre l'acteur et Brandon Lee se tourne, l'acteur il tire, la cartouche à blanc retentit, Brandon tombe, sur le moment personne ne tilt mais après avoir coupé, Brandon ne se lève toujours pas. La balle factice qui était restée bloquée dans le canon s'est fait expulser par la poudre de la cartouche à blanc. Elle a perforé son estomac provoquant une une hémorragie interne impossible à stopper. Il sera emmené à l'hôpital et mourra. Dans les heures qui suivent. Un événement tragique qui est survenu à nouveau ces dernières années sur le tournage d'un film de western, le film Rust. Événement dont vous avez sûrement entendu parler. Les grosses différences avec cet accident, c'est que cette fois, il s'agissait d'une balle réelle qui s'était glissée dans le revolver de l'acteur. Et aussi que la balle n'a non pas touché un acteur, mais un membre de l'équipe, la directrice de photographie, Alina Hutchins, qui se trouvait à côté de la caméra. Alina est décédée et l'enquête est toujours en cours pour savoir qui ou comment une vraie balle a pu se mélanger aux munitions Factice du plateau. Nous arrivons à l'accident qui m'a personnellement le plus marqué. Probablement le plus violent d'entre eux, même si je rappelle, ça n'est pas un concours. Chaque accident plus ou moins grave reste tragique. Nous sommes sur le tournage d'un film des années 80, La quatrième dimension. Et une séquence particulièrement complexe se met en place. La scène, la voici. L'acteur Vic Moreau porte deux enfants sous ses bras. Il traverse la rivière alors que le bâtiment derrière lui explose et qu'un hélicoptère tourne au-dessus de leur tête. Dans cette séquence, on a de tout. Des effets spéciaux dont des explosions, de la fausse pluie, un tournage extérieur et de nuit, une rivière naturelle, un hélicoptère, plusieurs comédiens et même deux enfants. Mais pour que la scène ait plus d'impact, le réalisateur demande au pilote de l'hélicoptère de voler un tout petit peu plus bas que prévu. Et ça ne rate pas. La fausse pluie rend le pilotage de l'engin trop compliqué et l'hélicoptère vient s'écraser sur l'un des deux enfants. L'enfant est mort sur le coup et accrochez-vous bien, les hélices de l'hélicoptère vont décapiter les têtes de Vic Moreau et du deuxième enfant. Nous sommes sur un plateau de tournage, ça tourne et tout a été filmé. Il y a donc une suite à ces images et vous irez checker par vous même. Et puis pour cet accident en particulier je préfère vous laisser le choix. C'est un accident effroyable qui va se terminer devant la justice et c'est là qu'on apprendra que les parents n'étaient même pas au courant qu'il y avait une séquence avec un hélicoptère ou un quelconque danger. En réalité les enfants n'avaient pas vraiment le droit d'être là sur le tournage mais bon quoi qu'il en soit ça n'aurait rien changé à l'accident Sur ce, bon ben soyez vigilants. Au passage merci aux cascadeurs et aux cascadeuses qui font un métier incroyable pour rendre nos films plus vivants et merci à toutes les personnes qui font un métier dangereux, un métier à que peu de gens voudraient faire au final. Ça demande voilà, le courage, donc euh, merci à vous. Et quant à moi, je vous dis à très vite sur YouTube. Ciao!